Coucou tout le monde, un petit peu d'Animal Crossing pendant que Prince tient sur ce pont de qualité. Il se trouve que je comptais restreamer du GBF, mais en fait les préliminaires sont finis. Donc en fait j'ai dormi pendant toute la section où on pouvait encore jouer. Donc finalement bah, j'ai du temps pour faire Animal Crossing. Donc autant faire du Animal Crossing. J'ai trouvé le poisson qui me manquait, qui apparaissait qu'à partir de 21h. Et là, il nous manque toujours la créature marine à trouver. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc c'est une ombre petite, mais très rapide. On va essayer de la trouver. Pourtant, j'ai deux pieds, pourtant j'ai plus que deux chaussettes et d'autres choses qu'on se met aussi aux pieds ou sur les jambes. J'en ai bien assez, alors voici un truc que je mets pas en espérant que ça te servira. Momo, les pâtes au chaud. Mais non, pas ça. Non mais en plus Dark Shadow Tea, le matin je live sur du Grand Blue Fantasy donc c'est pas forcément intéressant donc parce que c'est du farm pur et dur et je fais la même chose en boucle, en boucle, en boucle donc c'est pas forcément quelque chose qui peut passionner les gens donc t'as pas raté grand chose. Là c'est la première fois que je joue à Animal Crossing depuis un petit moment parce que je jouais hors stream hein, pour essayer de choper les... Le poisson qui apparaissait qu'à 21h, et là, aujourd'hui, on va essayer de choper la dernière créature marine qui me manque, et j'aurai complété mon bébétopédie pour ce mois-ci. Mais avant, on fait la routine, on parle à tout le monde, on prend des nouvelles, on s'occupe des branches qui traînent, tout ça, tout ça. Ah oui, j'ai masse d'arbres à pognon aussi parce que j'ai eu la flemme de les ramasser. Et j'ai joué qu'avec Lulu, j'ai même pas connecté les deux autres personnages depuis un petit moment. C'est dire. Ouais, franchement, l'event d'Halloween, il était plutôt sympa. C'était très rigolo et je suis content qu'on ait le droit de garder les emotes spéciales Halloween. T'as eu vraiment en 20 tickets il y a pas longtemps la chance. Moi j'ai dû le négocier sur Nookazone parce que j'arrivais pas à le trouver. Ah bah des fois, ouais, on a de la chance, hein, ça. Je vais taper mes cailloux, ça fait 13 ans que j'ai pas tapé mes cailloux. Oh, et je vais déterrer les fossiles, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça aussi.
Ça me fait toujours rire quand il dit ça. Eh ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Ma chérie, t'as Rosie et Raymond comme chat. C'est déjà pas mal. Rosie aussi, je l'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu un plan champignon que je trouvais pas dégueulasse. C'est ça, il faut que je crafte ça, le mur forêt, qui est vachement beau. Et la plaque bûche, elle est vraiment jolie aussi, c'est tout mignon. Ouais, j'ai que trois plants de champignons, dont un donné par Marie, et j'arrive pas à les trouver des ballons, ils en donnent pas tant que ça, les bouteilles non plus, donc c'est pareil, les plants avec les glands et les pommes de pin, j'en ai pas eu tant que ça non plus. Moi, tout ce que je veux, c'est le plan de la lampe champignon, où c'est le grand champignon qui peut être vert ou de différentes couleurs. C'est le seul truc champignon que je veux. Ah bah, il est là, prince. Oui, les ballons m'en donnent, mais c'est pas tout le temps, quoi. Tu vas faire une chasse à l'habitant, tu vas essayer de chercher qui du coup?
Laura, ou sinon un mignon dans le thème naturel, parce que tu voulais qu'une maison qui aille bien avec ton thème. D'accord. Mais oh. Ah bah oui, ça je la garde. Ah oui, moi, c'est ma spécialité, j'en fous partout des fleurs. En vrai, je pourrais en virer quelques-unes si je voulais faire une autre maison ou si je voulais mettre un peu plus d'objets sur l'île, mais tant que je sens pas le besoin de virer des fleurs, je les laisse là en gros paquets. C'est mes gros champs de fleurs et j'aime bien. C'est rigolo. Il y a eu un jour quand je jouais dans mon coin où j'ai eu Gullivar, mais j'ai eu super la flemme d'aller chercher son émetteur dans l'eau, donc du coup j'ai jamais eu ces objets pirates parce que j'ai pas fait sa quête parce que j'avais la flemme. Salut Yumeko! Salut Quentin.
Ça va. Fatigué, mais comme d'hab. Oups. Oh, Burke. Oh là là, mais j'ai trop d'argent à pognon. D'argent à pognon. Wouh! J'ai trop d'arbres à pognon. Qu'est-ce que tu fais là? Il me manque plus que Bouloche. Et on aura parlé à tout le monde. Non mais regardez-moi tous ces thunes. Mais non, il est rigolo, Tupux. Moi, je l'aime bien. En vrai, éventuellement, peut-être qu'un jour, je vais le remplacer par Calin, qui est aussi un chat sportif. Mais pour l'instant, j'aime bien Tupux, donc je le laisse. Puis il me fait rigoler avec son nom, justement. Mais si je devais remplacer un chat dans la ville, ce serait lui et ce serait pour choper Calin, du coup. Parce que j'ai envie d'avoir une île avec que des chats, sauf pour Bouloche et Prince, qui sont un mouton et une grenouille. C'est un mal, Bouloche. Et en plus, c'est un sportif. Moi, c'est le truc que je me remets pas, c'est que c'est un sportif. J'ai presque que des chats, ouais.
J'ai Momo, Tupux, Néferti, Olivia, Marine, Kiki, Mistigri et Raymond, et juste en exception Prince et Bouloche. Ah zut! Bah ouais, c'est un sportif, Bouloche. Ça m'a surpris moi aussi, mais... Mais c'est bien le cas, c'est bien un sportif. Je reviendrai chercher le plan plus tard. Mais non, mais... recouvrir comme ça du coup. Salut le roi, Luigi. Légende de Vive Hitler. J'aime pas trop où ça part. Donc attention à ce que tu dis. C'est le poisson ballon avec son poison fatal compte parmi les créatures les plus toxiques. Ce qui est moins connu par contre, c'est que son poison et ses piquants ne constituent pas sa seule défense. Face à un prédateur trop gourmand qui tente de l'avaler, il peut enfler et facilement l'étouffer, l'imprudent. Entre nous, si ce dernier y survit après avoir fait face au poisson et au poison et au piquant, il a bien mérité un encas. Je vais aller récupérer le plan et je vais aller vendre tout ça. Me manque deux champignons élégants. C'est quoi d'autre qu'il faut? C'est du bois. Ok. Ah bah le voilà, Bouloche.
Et du coup, on a parlé à tout le monde maintenant. Je me mets là. Et ce qui me manque, donc, c'est le cochon de mer qui est petit, très rapide. Et qui apparaît à partir de 16h et qui reste jusqu'à 9h du mat. C'est une créature aquatique et on dirait une espèce de grosse limace bizarre. Si on le trouve, je pourrais te montrer à quoi ça ressemble. Mais faut qu'on le trouve. C'est mon salon, mais merci. Mais ma chambre ressemble aussi à ça. Donc. Alors, on va revendre tout ce bazar. Voilà. Je vais aller craft le mur qui a l'air super joli. Et on se met à la recherche de ce cochon de mer. Je déteste mon voisin. Bah non.
Un jour, je lui ferai bouffer son piano. Je peux pas sauter, il y a trop de meubles. Là, il y a mes haies. Et mes meubles. J'ai des barrières partout. Je peux pas sauter. Il faut que j'aille aller à l'aéroport. Ah bah oui, c'est les avantages de vivre dans son appartement. Tu peux mettre et décorer comme tu veux. L'inconvénient de vivre seul, c'est que y a que toi pour faire la cuisine et la vaisselle. Ça, c'est un gros, ça, si je me trompe pas. Ouais, donc c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est un gros, ça. Quand il y a plein de bulles d'air comme ça, c'est des gros trucs en général. Alors je vous préviens, quand on va enfin le trouver, ça va être l'enfer, hein, parce que vu qu'il est très rapide, si j'arrive pas à le coincer quelque part, ça va être l'enfer. Ce n'est pas ce que je cherche, ce n'est absolument pas rapide du tout. Ah oui, je vais y arriver, faut juste qu'on le trouve. Après, en général, c'est question de combien de temps je vais l'attraper. C'est rare au fait. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'information sur si c'est rare ou pas. C'est juste, il faut tomber dessus. Ouf.
Alors là, je vois à rien du tout, mais ça, si ça bouge. Ah, c'était une limace de mer. C'était minuscule, mais c'était tellement foncé qu'on voyait rien du tout. Enfin, en tout cas, moi, je voyais pas la différence. Non. C'est la bonne taille, mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout la bonne vitesse. Ça bouge pas, ça me désespère. Pas la bonne taille. Puis c'est trop lent. Pourquoi on le trouve pas? Ouais, je ferai un rapide tour après si j'y pense. Enfin, de toute manière, oui, je montrerai le village parce qu'après il faudra que j'aille. Ça, c'est une grosse ombre. Faudra que je m'occupe de mes deux autres personnages, donc oui. Oh, décidément. Heureusement que j'ai fait une sieste, hein. Ah, le pétoncle! Et à Pascal! Putain, mais j'en peux plus de son piano. Est-ce que c'est de la même taille qu'une limace? Ah non, c'est un peu plus grand qu'une limace, quand même. C'est plutôt de la taille d'une huître perlière, ok. La plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de croire qu'on est seul à faire des erreurs. Intérieurement, je suis en train de hurler, sachez-le. Du coup, c'est plutôt des ombres de cette taille-là qu'on cherche.
Bon, c'est bon, t'as fini ton numéro. Merci. Bon, c'est pas assez rapide de toute manière, c'est pas la peine que je le ramasse. Il y a un ballon! Il y a intérêt à ce que ce soit un plan, sinon je hurle. Oh, Burke, un parasol champignon. Oh, à quoi ça ressemble cette horreur? Ça pouvait pas être la lampe. C'est pas beau. Moi, je voulais la lampe là. C'est le seul plan que je vais pas trouver. Oh, c'est trop lent. Ça, c'est une grosse ombre. Ouais, mais c'est trop gros ça. J'en ai vraiment marre, ça me gave, mais à un point. Salut Ludovic. Alors je vois pas où c'est, je vois pas quelle taille c'est, donc dans le doute, c'est encore une limace de mer. Pas aujourd'hui, non. C'est assez rare que je fasse des visites d'île parce qu'en général je visite que les gens que je connais un minimum ou mes amis donc
C'est bon, maintenant tu fermes ton clapet, tu le réouvres plus. Zut, je voulais remonter, je voulais pas l'attraper. Assez rapide. Ça, c'est trop gros. Salut The Chabou. The Chabou même. Je sais pas pourquoi j'ai dit The Chat. C'est pas assez rapide. M'a foncé dessus là, mais c'est une crevette nordique. Bon, ça c'est trop petit. Pas assez vite et je crois que c'est un poil trop gros. Là, j'ai rien vu. Berk! C'est dégueulasse. Est-ce qu'on l'aurait enfin trouvé? Oh,
Ah, j'ai manqué le coup où il se retourne contre la barrière. J'avais presque eu. Là, je le vois plus du tout. Ça va être infernal. Allez, allez, allez. Non. Ah. Pas vrai, je vais pas y arriver. Mais là, je pense que c'est le bon. Là, je pense que c'est celui qui me manque. Ah non, j'ai attrapé l'autre. Ah. Putain, j'ai raté son demi-tour sur la barrière, encore une fois. Faut que tu nages tout près sans plonger. Ouais, je sais, mais c'est pas évident. Parce que j'essayais de le faire se cogner contre la barrière pour qu'il puisse rebondir et venir directement sur moi, mais ça marche pas très bien. Alors là, je vois rien du tout. Oh putain, mais non, mais là, comment je sais lequel je suis à... C'est bon. Mais il y en a deux en fait. Il y en a deux, je crois bien.
Ça y est! Yes! Ça y est! J'ai tous les trucs de ce mois-ci. C'est bon. C'était chiant. Je savais que ça allait prendre 10 heures, mais quand même là. Et du coup, il en manque plus que 3. Ici, il en manque plus qu'un. Et pareil, ici, il en manque plus qu'un. Jamais une créature n'aura autant brouillé les lignes entre l'adorable et l'effrayant que le cochon de mer. Il s'agit d'une espèce de concombre de mer ayant élu domicile dans les profondeurs de l'océan. D'environ 10 cm, cette petite boule rosâtre se meut grâce à ses pattes en forme de tube et ses antennes. Elle va ainsi reniflant la boue du sol océanique et avalant les particules de carcasse en décomposition. Enfin, je préviens les prédateurs, le cochon de mer n'a pas le goût du jambon, plutôt celui du poison. Le piranha qui essaie de me bouffer. Finalement, ils ont laissé ça comme dans New Leaf. C'est juste qu'il faut être bien placé pour que ça marche. Allons voir ce magnifique et dégueulasse spécimen. Oh là là. Oh, c'est moche. Le vampire des abysses, il est cool. Le bathynome géant. Et regardez le cochon de mer à côté, comme c'est pas beau. Thank you.
J'ai pas vu le poisson, le poisson boule. Je me souviens plus de son nom. Bon, c'est pas très grave. Je sais que je l'ai. Le poisson ballon. Poisson boule, j'y étais presque. Ça veut dire que j'ai dû me manquer dans la pièce là, du coup. Ben non, je ne le vois pas. Est-ce que c'est là que je l'ai raté? Non, ben je le vois pas. Il est au musée, mais je sais pas où il est. Ah si, il est là, je crois. C'est ça. Le sur la gauche, là. Oui, c'est ça, c'est lui. C'est bon, je l'ai vu. Il est là, mais vous pouvez pas voir où je montre. C'est bon. Je l'ai trouvé. Allez, je vais aller revendre tout ce paquet de petits poissons et je vais passer sur mes deux autres personnages parce que ça fait longtemps que j'ai pas jouer avec eux. Et qui a masse de courrier à ramasser, à mon avis. Ah bah décidément.
Ça va, j'ai pas trop de courrier. Quand je vois les feuilles colorées s'empiler sous les arbres, je suis prise d'une irrépressible envie de me mettre au fourneau, tarte, gaufre, biscuit, gâteau. Au travail, le devoir m'appelle, il me faut un plus grand four, maman. Mon petit alien. Mais non! Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà une barre. C'est ça. Pousse ton cul! Ouais, c'est ça, j'ai déjà une barre. Du coup, Yumeko, si t'es toujours là, donc tu vas pouvoir voir un peu le village. Vu que je vais chercher le trou qui brille.
Et qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai trouvé le trou qui brille. On va le mettre là-bas, mais... Du coup, je finis le tour du village pour toi. Avec le fameux DJ Lampe à glace, très impressionnant, reconnu mondialement. Merci beaucoup. À chaque fois, j'ai envie de l'appeler Brouty quand il parle, mais non, c'est Bouloche. Merci beaucoup, Bouloche. Incroyable. Ouais, la couronne fruit, je le connais déjà avec Lulu, donc c'est pas la peine. Là, il y a mon petit coin espace. Et avec une mauvaise herbe, hop. Là, il y a plein de fruits. Oups, ma fleur. Mais non! Et voilà, c'était le tour de l'île.
Si tu veux. Bon, ça c'est la même lettre. T'es chiant. Ah là, tu vas me dire qu'il n'y a pas assez de place, peut-être. Et voilà, du coup, on est tranquille, j'ai fait toutes les prises du mois, je suis à jour sur mon bépétopédie. On a streamé du Animal Crossing depuis pas mal de jours pour... Enfin, ça faisait depuis pas mal de jours que j'avais pas stream Animal Crossing, donc là c'est réparé. Mais je suis très occupée sur Grand Blue Fantasy, donc forcément je peux pas tout faire.
Quand ce sera un peu plus calme sur GBF, on retournera aussi sur Pokémon parce qu'il faut qu'on continue le DLC 2 avec tous les légendaires à capturer, toutes les petites traces de pas à trouver, tout ce genre de conneries-là. Du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite aussi un bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé, et puis on se retrouve demain ou peut-être plus tard, je sais pas, on verra bien. D'ici là, des bisous, portez-vous bien!